Bon, nous sommes jeudi, il est 9h26 exactement. Voilà, fatiguée, j'ai du mal à m'endormir, mais ce coup-ci, je me suis pas réveillée dans la nuit. Check, ça commence à être bon. Bon, les jeudis, je reprends lundi, mais c'est pas grave. Programme du jour, tout ça. Promis, il y a tout ça. Il y aurait bien mon lit en fait. Je vous jure, un truc de dingue. Programme du jour, avancer dans l'album photo, avancer dans les montages, avancer dans les commandes. Puisque du coup hier j'étais occupée et j'ai pas eu le temps de faire les mondes d'envoi, donc je vais les faire. Faut que je fasse les deux structures aussi pour ma cliente, mais ça je vais les faire ce soir quand Jonas sera rentré. Je profite qu'il soit au collège pour filmer, sachant qu'en plus il rentre pas manger. Il faut juste que j'ai toutes mes vidéos parce que là je crois que j'en ai que deux. Mais je vais commencer par les mondes relais. Et voilà, déjà si je fais ça, ce serait plutôt mal. Il faut que je termine ceux de ma nièce aussi. Je n'ai pas mis le nez dedans de la semaine. J'étais censée finir lundi. Et j'étais censée vous filmer ça pour demain. Voilà. Tout est dit. On est d'accord. Aucune vidéo de prête pour demain. Pour la semaine prochaine non plus. C'est du n'importe quoi avec Marie. Qui, ma chaîne n'a jamais été aussi délaissée, aussi. Waouh. Mais je vous avais prévenu, on était reparti sur une nouvelle Marie. S'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo, pas prise de tête. Bon. Je m'en rends pas malade, on est d'accord. Mais, ça me fait un petit quelque chose quand même. Je ne vais pas vous mentir. Ça me fait un petit quelque chose quand même qu'il n'y ait pas eu de vidéo aujourd'hui, qu'il n'y en aura pas demain, ni samedi, ni dimanche. Ça me fait un petit quelque chose. Donc du coup, mes deux mondiaux relais à faire. J'ai ma cliente qui vient 14h chercher aussi, du coup, ce que j'avais montré, cette couronne-là. Voilà, je sais pas si je vais les montrer en story en plus. J'ai très très mal à mon bidon. Mais alors, d'une puissance, 10 000. C'est pour ça que je me suis levée d'ailleurs. Je serais mieux restée au lit, mais j'ai archi mal au bidon. mon café est bouillant, je suis même pas en boire. On va boire de la menthe. Ouais, j'ai arrêté le coca, j'ai repris la menthe. Pour combien de temps, je sais pas, mais... Il faut que j'aille en faire et que j'aille racheter de l'eau. Allez là. Donc, on commence par les mondiales relais. Mettre la musique sur Instagram aussi, j'ai pas fait. Et je vais remettre ma série. Scandale, je suis fin de saison 6. Il y a une 7e saison, je sais pas ce que ça va être. Franchement, je sais pas parce que la nouvelle, ça va vous spoiler. Nouvelle présidente est déjà en place. Enfin, voilà, qu'est-ce qui peut arriver de plus? Parce que je suppose qu'à la fin de la 6e saison, ils ont arrêté le grand méchant. Moi, je dis, Olivier, là, une famille de merde. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Oh, punaise, donc voilà, je suis claquée. Côté lecture, ben, j'ai fini mon livre hier, ça. Et comment vous dire que c'est un cliffhanger de merde? Ouais. Alors pour celles qui ne connaissent pas ce que c'est que le cliffhanger dans la lecture, c'est ça quand ça s'arrête en plein suspense. Voilà. Donc après, c'est un peu du genre, là on a arrêté dans « Va-t-elle vivre, va-t-elle mourir ?» Bon, en même temps, c'est le premier des trois tomes. Dans le résumé, on dit qu'ils avaient tous une happy end, donc je me doute qu'elle va mourir. Mais, va-t-il arriver à temps? Avant que quelque chose de grave se passe. C'est ça les cliffhangers. C'est quand les cliffhangers, c'est quand tu dis mais non, mais allez où la suite? Mais non, mais faut que je continue, moi je fais comment? Et que tu sautes sur le tome 2. Sauf que là le tome 2 n'est pas sorti. Donc c'est ça un cliffhanger. Et là c'est un cliffhanger de malade. Donc je vais, certainement ce soir, hein, pas avant, attaquer le tome 1 que j'aurais dû commencer, donc la Louve argentée. J'ai déjà mis le 2 dans ma tablette. Là, j'arrive au bout de ce que je peux emprunter, parce que j'ai emprunté plein de trucs que je dis pas, on est bien d'accord. Je vais rendre du coup celui que je viens de terminer hier, et je vais tout de suite prendre le tome 3 pour être sûr.
Je vais faire ça. Et je vais me noter la sortie du tome 2. Ça peut être bien, non? Et c'est une auteure que je vais garder parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son style. Oui, je l'ai fait un petit peu style et tout. Son style. En pyjama, moi aussi j'ai le style. Premier aujourd'hui, je reste pas toute seule en pyjama. Hier, je me suis habillée. Hein. Bon, vous avez mon armoire qui est grand ouverte aussi. Je l'avais rangée. Elle a à peu près bien rangée. Mais en fait, elle me déprime, mon armoire. Non, en fait, c'est pas mon armoire qui me déprime. C'est les chats. Tout simplement. Fanny a décidé qu'elle se mettrait sur mes pyjamas pour dormir. C'est tellement mieux que les deux étagères qu'on a fini par lui retirer. Hein, parce que maintenant, elle arrive aussi tout en haut. D'accord. Et l'Olaf, si vous voyez l'état de mon rideau. Mon Dieu. J'arrête pas de l'engueuler. Elle fait que ça. Elle escalade mon rideau. Il est plein de trous. Mais les autres ont jamais fait ça. Pourquoi elle a fait ça? Elle saute de par terre par le rideau. Puis après, elle grimpe à grimpe jusqu'à tout en haut. Jusqu'à ce que j'entende que je dise « L'Olaf, tu descends !» Puis après, elle descend. Ça y est, vous avez eu ma minute de déprime. Maintenant, je vais travailler. Non, forcément, j'ai parlé d'elle. Il est où mon bébé chat d'amour? Il est là, mon bébé chat? Est-ce que t'as fait des bêtises? Il est où mon bébé chat? Il est où bébé chat? Ah, papa. Mais chaque fois que je fais ça, il est où bébé chat? Viens en miaulant. Mais là, en fait, elle assiste juste. Hop là. Et alors, elle kiffe être ici. Mange pas mon pull! Hé! T'as des croquettes dans ta gamelle? Oh! Arrête de manger mon pull. Arrête de le manger. Aïe. C'est un carnivore ce chat, je vous le dis. Bon, ce coup-ci, sérieux, je vais travailler. Ouais, je sais, mon four. Je vais la manger. Arrête. Stop. C'est un monstre ce chat. Rien ne recommence, je la dégage. C'est promis. Hey, coucou, bon, midi et quart, je suis toujours en pyjama. Ouais, je sais, non, je vais me préparer là. Je fais juste montage en vlog et je vais me préparer tout ça, quoi. Tout ça. Pas grand-chose, j'essaie de me coucher un petit peu parce que j'ai super mal à oublier au bidon. Oui. C'est les ragnagnas, c'est l'époque. Plus la fatigue, mais impossible de dormir. Mince, j'arrive pas de réveiller Miss Cole au cul. Du coup là j'ai monté vite fait mon vlog, mon tuto numéro 2 est chargé sur YouTube, je l'ai vérifié également, il ne me restera plus que le 3 à faire. Je ne pense pas filmer aujourd'hui parce que voilà, c'est pas la pêche. Je pense plutôt préparer ce qu'il me faut pour pouvoir filmer demain. Et puis c'est tout, et faut que j'aille au Mondial Relais parce que faut que j'aille déposer les commandes et acheter un truc à cognoter, j'ai faim, j'ai pas mangé. Donc je pense que je vais faire ça. D'abord montage de vlog et voilà. je suis à fond là, ça se voit non? Ouais, mais je pense pas vous filmer grand chose aujourd'hui, donc je pense que vous aurez le vlog sur 2 jours. Mais ouais, non je suis fatiguée. Voilà. Bon, c'est parti, montage de vlog. Moi, j'arrive pas à dormir, mais j'en connais une qui dort très bien. Puis Toto. Allez. Jamais loin de sa maman. Ah, mon bébé chat. Doucement quand tu mords mon nez. Parce qu'en plus, elle me ressort mon persil. Dès mon bébé chat. T'es mon bébé chat? Et où bébé chat? Mais il est où? Mais où mon bébé chat? Il est parti? Moi non. Il est pas parti mon bébé chat. Moi non.
Ni même ce chat. Fais tout tomber, je vous jure. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. Allez, recoucou. Bon. Ou pas. Voilà. Tout est dit. Je suis en train de manger, comme d'habitude. Quand j'ai la peine de faire manger, que je suis tout seul. Des chips sonales que j'avais pas prévu d'en prendre. Et puis, quand je vais déposer mon dia relais, je me suis dit, j'ai une petite faim. Donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris le pédard aussi. Il est quasiment 2h, il est 13h56. J'ai ma cliente qui doit finir à 2h et qui venait après chercher du coup ceci. Excusez-moi, mon petit coup de coca. Oui, je sais, j'ai recraqué. Là, je regarde des vidéos pour essayer de trouver des idées pour mes autres pages. Je verrai après manger pour les préparer, pour les découper. Et j'ai beaucoup de vidéos à regarder. J'ai 456 vidéos à regarder plus tard. Et je n'ai pas fait mon petit check du jour. Mon petit check du jour, c'est quoi? C'est je regarde les vidéos des personnes que je suis abonnée, vous savez, dans abonnement. Les vidéos qui sont sorties. Et je trie. Alors, il y a ceux que je regarde tout de suite. Donc, dans ce cas, je me fais une petite liste d'attente. Et il y a ceux que je regarderai plus tard. Et je n'avais pas encore fait. Donc, voilà. Je regarde une vidéo, là. Donc, là, ça vient juste de changer. C'est Memories by Léa. J'en ai déjà parlé. Je l'aime vraiment beaucoup. Je regarde et puis on verra bien. Donc, voilà. Bon, c'est le petit point du jour. L'Olaf. Je suis en train de manger mes chips. Donc, tu descends sur moi. Il va monter. Non. Elle est chiante. Non, c'est pas bon pour les chats, les chips. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Hey, coucou à tous. Bon, bienvenue dans la suite de ce vlog. Du coup, j'ai une petite mine. Oui, je sais. Il est 9h43. Je suis levée depuis une petite demi-heure. J'ai toujours très très mal au ventre, c'est pour ça que je ne les ai pas repris hier, je me suis couchée. Et je suis restée au lit, Valentin et Lily sont venus manger, ils sont même en train de dormir là. Je suis même pas restée avec eux juste pour manger parce que j'avais trop trop mal, j'ai toujours mal au ventre. On va aller faire avec. Je me mets au bureau, d'abord je ne vous ai même pas programmé le vlog hier, il me restait à le... juste la miniature, je crois, à faire. Je sais même plus. J'ai voulu mettre là pour. Je sais pas, peut-être à 13h. Non, 21h, vous avez plus l'habitude. Je laisse à 21h. Et puis. Et puis voilà. Ouais, tout ça, quoi. Donc là, je vérifie. Après, je vais essayer de ramasser, nettoyer un peu mon bureau. Vous entendez l'Olaf qui mange. Et essayer de tourner deux vidéos et faire au moins une commande. Alicia m'a pas répondu. Enfin, m'a répondu, mais après, m'a pas répondu. Bref. Je sais toujours pas ce qu'il faut que je fasse pour Alicia, du coup. Je pars avec elle. J'ai même pas comment. Oui, j'ai voulu commencer à lire un petit peu dans mon lit, mais j'ai lu deux pages de ma liseuse. Ce qui n'est pas énorme. Par contre, j'ai presque terminé. Je crois que ça s'est terminé pendant que je dormais. Scandale. Donc, je vais regarder les derniers. Je parle aussi du lait parce que, eh bien, tout simplement, j'ai attrapé la crève pour aller avec. Génial, les vacances. Super reposantes, les vacances. Il n'y a pas à dire. Je clôturerai le vlog, enfin, la semaine, là, samedi, dimanche. Je me garde pour moi, pour essayer de me reposer. Je vais essayer de ne pas travailler. C'est autre chose. Il faut juste que je me rende au travail à... Normalement, je vais y aller pour 8h moins le quart à peu près. Là, je vais y aller pour 8h30, c'est pas grave. Et c'est bien ça à ma collègue. Et étant donné qu'elle m'a acheté un petit cadeau pour mon anniversaire, à la base, on avait prévu avec mon autre collègue, comme c'est le jour où je suis en vacances, et que c'est une collègue qui est très très gourmande, on avait prévu que je vienne à la pause et... puisqu'elle se prend une pause clope, et de remplir son capsule de cochonnerie, sauf que ma collègue est prolongée de son arrêt, j'ai eu un message hier, donc du coup elle ne sera pas là, donc je serai toute seule, donc pour essayer de l'emmener dans son casier, pour qu'elle ouvre son casier, c'est un petit peu compliqué, donc ce que je vais faire, c'est que, parce que j'ai la clé de son casier, donc je pense que je vais y aller juste avant pour le remplir quand même,
Et après, on ira se boire un petit café tranquillou. Bon, allez. Je vous dis à tout à l'heure. Ouais, je sais, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis pas encore réveillée. Je vais aller boire mon café, mais il est bouillant encore. Ah, puis j'ai une tonne de vaisselle à faire. Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut venir faire ma vaisselle? Il y en a beaucoup. Hein. Je vous le dis, il y en a beaucoup. Tout ce qu'on était, l'évier est plein. Non? Au moins la première partie. Parce qu'on pourra pas tout mettre sur les lavabos, donc on va faire en deux parties. Non plus. Bon. Là, je regarde mon montage et puis je vais faire ma vaisselle. Merci, c'est gentil à vous. Je... Ouais. Hey, recoucou tout le monde. Bon, oui, je sais, je suis encore en pyjama. Il est 2h, peut-être falloir que j'aille m'habiller un petit peu parce que je dois aller sortir faire 2-3 courses pour demain et... Les chocolats pour ma collègue. J'ai très très mal au ventre. J'essaie d'avancer. Hein. J'ai réussi à boutonner cette première page. Et là, je suis en train de... J'ai commencé la deuxième. Je suis en train de faire le papier décoratif. Je pense pas que je ferai autre chose. Il est déjà 2h. Je pense après, je vais aller m'habiller. Parce que j'irai au bain en fin de journée. Ça me ferait peut-être un peu de bien à mon bidon. Et aller aux courses chercher les trucs pour ma collègue demain. Donc voilà. Donc je vous filmerai pas parce que comme je vous l'ai dit et j'ai ma princesse derrière. Du coup, je fais mon papier décoratif là et puis je sais même pas si j'avais trouvé autre chose pour la suite ou pas. En tout cas, je chercherai ça ce week-end et pour reprendre lundi. Il me restera 6 vidéos à faire lundi. Et il faut que je trouve des vidéos à faire pour cette semaine parce que du coup, je n'en ai aucune. Mais j'en ai déjà une en tête et peut-être même deux. Pour la semaine. Le faire, non? Vous en pensez quoi? Non, j'arrête. Je me mets au travail. Promis. C'était juste un petit coucou pour vous dire où j'en étais. J'avance. Hein. Donc là, cette page-ci, ce sera essentiellement sur du bleu. Et du coup, j'avais pris du coup le cassis pour aller avec lui, qui tranchait vraiment beaucoup. Et ce que j'ai fait pour aller avec le bleu, là, j'ai pris le maritime que j'avais utilisé dans l'album photo Maritime Day. Donc voilà, là c'est pareil, ça ressort plutôt pas mal. Donc je vais remettre quelques petites couches et puis voilà. Allez, je continue, je reviens. Ah, changement de série. J'ai terminé Scandale. Je ne m'attendais pas spécialement à ça, mais franchement, j'ai kiffé la fin. Ouais, je vois tous mes petits cheveux, ça me saoule. Et là, du coup, Disney Plus m'a proposé Scandale. Non, pas Scandale, pardon. Revenge. Et j'avais beaucoup aimé le peu que j'avais vu. Et je me dis. Voilà. Je me dis. Donc là, je le reprends. Donc en fait, pendant que je découpe entre deux, je mets un petit peu, je me pose, je remets, je me pose, je remets. Voilà. Ah, mon fils m'appelle. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear drop step dancing on the roof. It's like they're calling out. Don't lose your youth, cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Je viens clôturer ce vlog, il est même pas 5h30, 6h je crois. Je vais le clôturer tout de suite parce que je vais aller me mettre en pyjama et me coucher parce que j'ai toujours mal à mon bidon et que j'ai aussi la tête qui tourne. C'est pas le tip top de la ferme, c'est les règles. Hein. Vous qui me suivez, vous êtes, à ce que je sache, au moins 95% de femmes, si ce n'est pas 100%. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui me suivent sur YouTube. Donc du coup, vous savez ce que c'est. Hein. Mais ouais, non, là, je suis vraiment patraque. Même en étant sur ordinateur, c'était pas ça. C'est, je sais pas, peut-être une chute de tension, je pense. Parce que vous savez, le côté flou sur la périphérie des yeux ou quoi. Donc le cœur aussi qui tachycarde, pardon. Un peu, et voilà, je suis fatiguée, j'ai un peu baillé. Donc là, je vais juste finir de ranger un petit peu ma chambre. De côté vers mon lit, j'ai commencé à
rangé, pas le bureau, hein, je vous rassure. Juste par terre pour nettoyer tout ce que j'ai par terre, parce que je mets toujours plein de trucs par terre. Et laver ce côté-ci. Maintenant que je vais pas remettre ma chaise de ce côté-ci, je vais laver l'autre côté. Et après, j'irai me coucher, sachant qu'il faut que je me réveille à 7h demain pour aller voir ma collègue pour son anniversaire. Sauf que je peux pas mettre dans son casier. J'ai réagi en cherchant pendant une heure ma carte qui ouvre le vestiaire. Que je l'avais passé à ma remplaçante, donc en fait je peux pas ouvrir la porte du vestiaire, donc voilà, pas de surprise qu'on est dans son casier, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, du coup je range ça et je vais aller me mettre au fond de mon lit. Je sais pas ce qu'on mange ce soir. Ça fait plus d'une semaine que j'ai envie, ça fait au moins 3 semaines que j'ai envie d'un kebab. Qu'est-ce que j'avais prévu ce soir normalement? Parce que chaque fois je dis j'ai envie d'un kebab. Ouais non, pas envie de kebab. Ils sont jamais envie de kebab. Du coup j'en ai toujours pas mangé. Ça fait plus de 3 semaines je crois. Et non mais là de toute façon je sais même pas si j'arrive à manger tellement que je suis pas trac. Du coup, j'en suis navrée. Je baille encore. Je viens vous souhaiter une très très bonne soirée. Nous on se retrouve donc pour un vlog lundi, posté mardi. Allez, bisous bisous.